Eh bien, salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle découverte sur Arena Rénovation, donc un jeu développé par Nezahlys Games, édité par Playway et Freemind, que l'on connaît bien sûr pour les jeux de simulation. Donc c'est un jeu de rénovation d'appareils sportifs, tout simplement de salles sportives, qu'on va faire ensemble. On va commencer par le tuto et on va avancer donc dans notre carrière. Donc il est sorti le 27 mars en Early Access aux alentours de 12,50€, hors promotion bien sûr. Donc j'ai mis tous les paramètres qu'il fallait, on va se faire donc une nouvelle partie. D'accord, donc on est en QWERTY. Alors, aller à la pièce marquée, ok. Donc, ça va, pour l'instant, on a terminé la quête. Le scanner B. Il nous dit ce qu'il faut faire et avec quel outil, ça, certainement. Détruire les gros joncs. D'accord. Donc, on va appuyer donc... Hop. On doit appuyer sur A... On va prendre le marteau et on nous dit donc de détruire ça. D'accord. Le mouvement est un petit peu raide, mais bon. Sinon, il est là. Hop. Alors, on gagne de l'argent et de l'XP. Hein. D'accord, très bien. Ok. Donc, ça, c'est fait. Alors, les jonques, je pense que c'est plutôt les débris. Je pense. Donc on nous dit de ramasser ça, donc on appuie sur A, on prend donc la main. D'accord, clic droit pour ramasser les gros déchets. Est-ce qu'on peut... D'accord, on peut encore le remplir, hein. On peut mettre 10 objets à l'intérieur. Apparemment, il n'y a pas de tri réel d'objets, de débris. Ok, et là, on nous dit... Appuyez sur E. Ça, ça sera pour le vider. On met les sacs dedans, d'accord, ok. Ça, c'est de l'autre côté, on peut le ramasser quand même. D'accord, il faut rester appuyé sur le clic droit pour ramasser. Sac poubelle plein, d'accord. On peut le lancer. Oui, on peut le lancer, bien sûr. Ok. Nettoyer les saletés, donc on parle de ça. Alors vu que j'ai pas mon sac qui est encore plein, je vais ramasser quelques conneries. Sac plein, voilà, ça y est. Hop, on met ça là-dedans. Donc on appuie sur A. Il nous faut donc ça, nettoyeur à pression. C'est pas du carrouage simulator. Donc on a une zone de pourcentage juste au milieu de l'écran là. Ça c'est du 100%. Et
Voilà, ça c'est fait. Appliquer le plâtre à la truelle. Donc il parle du sol. Alors. Truelle. D'accord. Là, il faut rester appuyé sur le clic gauche. Ça se fait vite, hein. Plafond. Au niveau du plafond, la texture change. Bon, ça a déjà un peu mieux déjà. Félicitations, vous avez atteint un nouveau niveau, niveau 2. Point de compétence reçu 10. Point de compétence actuelle 10. D'accord. Ouvrir. D'accord. Donc on a quand même pas mal. Donc on a notre profil Steam. On a des boutiques pour acheter un petit peu tout ce qu'on a. L'installation sportive. Donc on a ça exactement. Avoir 40% de progrès sur l'installation précédente. Donc ça doit être ça. Ah, c'est pour déverrouiller les... D'accord, c'est pour les contrats. Activer et vendre un bien. D'accord, très bien. Donc on a le profil et on a l'aide pour tout ce qui est les bases, les progressions. D'accord, très bien. Donc au niveau du profil, on a quoi? On a la laveuse à pression, donc plus 25%. Donc il faut que 5 points pour ça. Nous, on en a 10. Donc on a l'XP du niveau pour atteindre le niveau supérieur et points d'expérience. On a ça. Ça doit être l'expérience totale, je pense. On a ça. Super avantage. Ah oui, 200 points. 150, 200 points, d'accord. Expérience plus 15 pour... Ben, je vais monter l'expérience, pour le coup. Plus on monte l'expérience vite, et plus on peut tout débloquer. Donc, ça pourrait être pas mal. Je vais débloquer ça. On peut augmenter l'XP... oui, pour davantage. D'accord. Est-ce qu'on peut... On peut pas réinitialiser les points. Après, c'est pas grave, hein, mais c'est important de le savoir à l'avance. Ok, très bien. Et le dernier. Ok. Peindre les murs et plafonds. Donc c'est... Non, c'est pas brosse. Si, comment utiliser la brosse? D'accord. Pour sélectionner la couleur P. D'accord. Ah, on a la couleur et les textures. Ah, il y a des cadenas. 20 étoiles. Ah oui, on a les étoiles en haut à gauche. Très bien. Très bien, très bien. D'accord, là on a encore des choses qu'on peut avoir là aussi. D'accord, donc c'est pas tout, tout débloqué. Il faut aller un petit peu plus bas. D'accord, très bien. On va choisir quoi comme couleur, nous? Choisir ce bleu-là. Allez. Sélectionner ben, celui-là. Bizarre, c'est la texture change quand on peint, d'accord. Alors du coup, ça fait un petit peu bizarre, ça fait mal fait. Je peux vous dire, c'est au moins c'est roleplay, hein. Vu comment je suis doué. Ok, ça c'est bien.
finition peut être appliquée sur la surface au sol. D'accord, donc il faut utiliser le marteau. Non, pas le marteau. Modification du sol. C'est ça. Donc, P. Donc là, pareil, on a quand même pas mal de trucs à déverrouiller. J'aurais voulu. Il n'y a pas un petit parquet? Si, il y a un petit parquet. On a quoi d'autre? C'est de la moquette, ça. Ok. Alors, je vais choisir un bois clair. Bon, un bois foncé. D'accord. La texture des sols déjà est vraiment pas mal. Terminé. Meubler la chambre, c'est plus des vestiaires, mais d'accord. Appuyer sur tab pour la. D'accord, c'est ça. Donc nous, il nous faudrait des casiers. Casiers en bois, non, pas du tout. Comment ça peut s'appeler? Accessoires. Des accessoires. Non, c'est pas des accessoires. Non, pas du tout. Il me faudrait des casiers de. Ah bah voilà, armoire en métal. 75$. Bon, on a quand même pas mal. Ok. On peut tourner avec la molette. Par contre, il n'y a pas de chiffres. Ah si, en bas à droite. En bas à gauche, pardon. En bas à gauche, vous avez exactement ce qu'il faut. Donc on va mettre des casiers là, des casiers ici également. Voilà, 5 de chaque côté. On va essayer de voir pour des bancs de vestiaire. C'est très bien ça. Rénover pour Garden Arena Progress et débloquer de nouvelles installations. Oui, ça j'ai vu. Alors, peut-être pas face au mur non plus. Je voudrais le mettre. Hop. Pour cacher l'objet. D'accord, on peut le déplacer un petit peu comme on veut. D'accord, ok. Ça c'est bien par contre. 95%. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? On a quoi ici? Alors, oh, il y a des gradins. Alors c'est sûr, il faut beaucoup de points, mais... Il y a quand même des gradins, c'est pas mal. Donc les casiers en bois, non. Alors déjà on peut pas parce qu'il fallait les acheter. Il n'y a pas des armoires. Si, il y a des armoires. Alors il n'y a pas un filtre type de pièce marqué. D'accord.
liste. Alors ça, c'est bien, plutôt. Ça, c'est bien, comme ça, on n'a pas à se taper des pages et des pages. Alors, là, c'est vert. Là, c'est rouge. C'est sorti. D'accord. Hein. Ça me paraît un petit peu bizarre, mais d'accord. On va rajouter un petit truc dans l'angle, ici. Ouais, je vais prendre ça. Non, ça fait pas... Bon, on va mettre tout. Ou sinon, on rajoute un banc dans le coin. Voilà. Ok. Bienvenue à Arena Rénovation. Maintenant, vous rénovez des installations sportives. Utilisez la souris pour regarder autour de vous. Et le clavier pour vous déplacer. Ça, c'est les trucs de base. Comment jouer? Q pour ouvrir le sélecteur d'outils. Alors, bon, pour les AZERTY, c'est A. Ouvrir la tablette avec Tab, ça change pas. Et le scanner de pièces avec B. Très bien. Que faire? Donc, la progression. Ouvrir rénovation typique. Votre tâche consiste également à effectuer des quêtes spéciales. Les instructions de ce panneau vous guideront quoi faire. Hein. Oui. Indiqueront quoi faire. Des quêtes spéciales sont nécessaires pour débloquer de nouvelles installations sportives. D'accord. Et là, on a la progression, donc rénovation, donc l'ameublement et le nettoyage. D'accord. Donc cette pièce... cette pièce est finie. D'accord, ok. Donc on est à 100% de partout. Et apparemment, donc nous on n'a pas de quête, quête spéciale, hein, apparemment. Profil. On a pris quand même beaucoup d'XP, je trouve. C'est peut-être parce qu'on a... On a débloqué complètement la pièce. Donc là, je pense qu'il faut finir directement de nous-mêmes tout ça. Alors, on va déjà prendre le marteau. Voilà. Là, il n'y a que des objets à récupérer à la main. Nouvelle compétence débloquée. Toutes nos félicitations. Ah, 40%. Donc on a gagné 50, d'accord, 50 d'étoiles. Monter à 50% pour avoir mieux. On va dégager déjà tous les débris. Je pense que donc là il n'y a plus de débris apparemment. On va compléter le sac avec ce qu'on a dans le coin. Voilà. Pas mal. Donc on a cette salle à rénover. D'accord. Donc on va nettoyer. Voilà.
20%, il est où? Heureusement que c'est marqué à 100%. A priori, là, il n'y a plus rien. On a quand même un trou ici. Hein. Il faut la truelle de partout. Truelle. Ça change quelque chose? Pas. Pas du tout, il s'en fout. D'accord, ok. Non, vous avez atteint un nouveau niveau. D'accord. Alors, je vais économiser 50 points, je pense. Ça, on augmente l'XP gagné. Donc là, on a fait celui-là. Donc, propreté, on est à 100%. Donc maintenant, on utilise la brosse. Va faire plutôt du blanc pour ce pour celui-là. Le plafond pareil, hein. On va le mettre en blanc, c'est un couloir. Bon, faut rénover donc le sol. Je pense que je vais faire la continuité du parquet ici. Modification du sol. Voilà. Voilà, rénovation 100% et il faut l'ameubler. D'accord. Alors je pense qu'on va peut-être le faire à la fin. On va prendre le marteau. D'accord. Est-ce qu'il faut le... Il faut peut-être les réparer. D'accord. Bon, je vois plus rien à casser. Utiliser E pour réparer. D'accord. Alors c'est plutôt... C'est presque trop simple pour le coup. Ok. Petite table de tennis. De tennis de table. On peut mettre des échafauds. Vous venez de débloquer une nouvelle installation sportive. Vous pouvez aller sur tablette et commencer votre nouveau travail. Alors non, parce que je voudrais finir déjà. C'est au moins pour avoir donc les étoiles, parce que vous avez vu qu'en ayant l'argent, on gagne 180 étoiles, non pas 50, et j'aimerais bien faire le 100%. Beaucoup. Vous connaissez, hein, depuis le temps, on essaye de faire le maximum au niveau des jeux. Ah, c'est déjà tout ça. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est à nettoyer. Là-bas aussi. Là.
D'accord. Ou vider. Oh, on gagne 1000. D'accord. Ben, c'est plutôt pas mal, du coup. Donc, on va commencer par nettoyer directement. On va faire d'abord les trucs les plus simples. Propreté. Ah, ici. J'ai la souris qui part en live, je sais pas pourquoi. Ok. Niveau 4. Donc on n'a que 20 points, moi il m'en faut 50. Ça change pas. Propreté 98%. Et avec le soleil, je l'avais pas vu celui-là. Voilà, 100%. Alors je pense qu'on va faire déjà le sol. On va garder toujours le... Ah, je peux pas là. Pourquoi je peux pas? D'accord, ici on peut pas modifier le sol. D'accord. D'accord, là on répare les fissures. Ici y a rien, y a rien, y a rien. Ici on peut pas. Alors ici il faut peindre. Donc pour le coup, ici on ferait quoi? Des briques peut-être? On a des briques de débloquer. Des petites briques comme ça. Ou celui-là. Non, celui-là c'est débloqué déjà. Ça fait quoi ici? Allez. Aspect déco, vous l'aurez remarqué. Ah, ça y est, 75 pour 75 points. 200 si on atteint le 100%. Et, hein. On va essayer. Donc, hop, il va nous falloir du foncé. Je fais plutôt celui-là. Alors, on va faire blanc en bas et foncé en haut plutôt. Niveau des fenêtres, on va faire foncer. On doit le faire celui-là ou pas?
non, 100%. Très bien. Bon, maintenant, il suffit de faire... enfin, il suffit de faire l'ameublement. Est-ce qu'on a sécurité? Non. Des portes. D'accord, on a des doubles portes. On choisit le sens. Le code pour entrer. Voilà. Et ici, on va faire celui-là. Zut. On va dire que ça reste fermé. Alors, on va faire d'abord... Alors, j'aimerais bien faire d'abord ici. Histoire... donc conteneur à ordures, non. On a quoi au niveau ici? Alors je verrais bien des étagères déjà. On aurait quoi d'autre? Les lampes, non. L'horloge, ça sera plutôt dans l'autre salle. Il y a des distributeurs aussi. Distributeurs d'eau, ça sera peut-être assez important. Tableau des scores. Ouais. Dans une salle de ping-pong, je vois pas trop l'intérêt, hein, mais d'accord. On va rajouter des poubelles, des plantes, des tableaux. On a aussi des sigles. Alors, c'est mixte. On va le mettre sur le côté. Voilà. Ça, c'est bon. On a quoi d'autre? Donc, on a des cages, on a des kiosques à journaux. Et on a des ballons. Donc, on a quand même beaucoup d'installations. Oh, des salles de sport, carrément. Donc c'est là où on a les échafaudages. Bon, là, on n'en a pas besoin. Raquette de ping-pong. OK. Avec une autre table. Planche d'échafaudage. Alors, en plus, il faut mettre des planches. D'accord. Donc là, c'est tout, vraiment tout ce qu'on peut mettre. Hein. On va essayer de voir un petit peu comment meubler ici. Qualité. Vingt-sept. Je sais pas à quoi ça correspond. On va peut-être le bouger, celui-là, après. On va le bouger. On va le bouger. Ok. On va mettre ça comme ça. Déjà 41. Les lumières, bon, pas vraiment besoin. On va mettre surtout des étagères ici. Hein. Alors ça, c'est la qualité. Les toilettes, non. Non, dans un couloir, ça ferait un petit peu bizarre. C'est quoi ça? On dirait un coffre-fort.
mouton panique. On sait jamais. On sait jamais. Oh, ça m'a fait même pas fait grimper le pourcentage. Hein. Ah oui, qualité, rien, d'accord. C'est juste pour, just for fun, ça. Oh non. Des bancs, peut-être pas. Y a pas. On n'a pas un truc, un casier, un pouf, non. Porte, toilette, sécurité. Accessoires, outils. On pourrait peut-être débloquer quelque chose. Installations sportives. On pourra mettre quelques raquettes de ping-pong. Alors c'est pas les installations. Je cherche. Alors on pourrait une poubelle. Une poubelle déjà. Alors, attendez. Poubelle, ouais 10. Allez. Hop. Poubelle en sortie. Des plantes, c'est juste pour la déco, enfin, ouais, c'est juste pour la déco, hein. Cette boîte de colis, au niveau de la sécurité, pas trop besoin non plus, il faut les acheter, ça, des chauffages, ah, pourquoi pas du petit chauffage. D'ameublement, meubler la chambre, boutique. Ah, une boulette, c'est ça? Attendez. D'accord. Type de pièce. Alors moi, je suis dans une pièce de quoi, là? Information sur la pièce. Pièce de stockage. Pièce de stockage. Ah, ben voilà. D'accord. D'accord, oui, c'est toutes les pièces différentes. D'accord, très bien. Voilà. Et bah, je pense qu'on va rajouter juste des étagères. C'est une pièce de stockage, hein, ils viennent de le dire. Voilà, 101%. Donc celle-là, elle est finie, celle-là, c'est fini, et donc, terrain de sport. Hop. Terrain de sport. Est-ce que la raquette rajoute quelque chose ou pas? Elle est où? Ouais, ça en rajoute un petit peu. On va pas la mettre droite à chaque fois. Hein. Voilà. 25% juste pour poser des raquettes quand même. Donc il va nous falloir alors des bancs. Plus niveau gradin, je pense. Pas avoir tu vois, plutôt des comme ça 70 60
On va faire le bleu, ça va rappeler celui des vestiaires. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 2200, voilà. On a fait le 100% de tout. D'accord, très bien. Donc au niveau de l'installation sportive, acheter et vendre. D'accord, on va pouvoir rénover, acheter, rénover et revendre. 180 000, 100 000, on me voit derrière. D'accord, ok. Donc là, on a fini, hein. On a fini le 100%, donc il faut qu'on aille là-bas. Il n'y a pas un système avec le profil. Non. Non, apparemment non, d'accord. On peut réinitialiser pour le faire. D'accord. Bah écoutez, je pense que pour le premier épisode, ça devrait suffire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On fera d'autres, bien sûr, d'autres épisodes sur ce petit jeu qui est, ma foi, assez sympathique. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.